Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Une nouvelle édition de Midi au Caire pour ce mercredi 27 janvier 2021. Commençons par une nouvelle concernant le président Abdel Fattah al-Sissi qui s'est réuni hier avec le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, le ministre des Transports, le lieutenant-général Kamel Al-Wazir et le président de l'Organisation arabe de l'industrialisation, le lieutenant-général Abdelmonem Al-Tarros. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que la réunion a porté sur le plan de développement du réseau ferroviaire et de liaison des nouvelles voies électriques avec les chemins de fer déjà existants. Les détails dans ce commentaire. Le président Abdel Fattah al-Sissi s'est réuni hier avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, le ministre de Transport, le lieutenant-général Kamel El-Wazir et le président de l'Organisation arabe pour l'industrialisation, le lieutenant-général Abdelmenem El-Tarros. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la réunion a porté sur le plan de développement du réseau ferroviaire et de liaison des nouvelles voies de train électrique avec les chemins de fer existants. Le président al-Sissi a dirigé la mise en œuvre immédiate du plan de développement du réseau ferroviaire national en ajoutant de nouvelles voies des lignes de train électrique à grande vitesse, tout en le reliant au réseau ferroviaire existant, soulignant l'importance de ce système en tant que facteur fondamental dans la mise en œuvre de la stratégie de l'État pour réaliser l'intégration entre les éléments de développement dans tous les domaines au niveau de la République, comprenant des zones industrielles et agricoles, des villes et des communautés urbaines, visant à les relier aux nouveaux ports et centres logistiques en tenant compte de l'augmentation prévue concernant l'utilisation des moyens de transport, en tenant compte des énormes efforts de développement actuels et futurs dans le pays. Le porte-parole a déclaré que la réunion a été témoin du plan de la création du nouveau réseau de trains électriques à grande vitesse et du système de stations d'échange pour se connecter aux réseaux existants, ainsi que les gares principales et régionales réparties sur le groupe de lignes de trains électriques. Cela vise à relier les principales zones géographiques et directions de pays avec de nouvelles routes s'étendant de Ain Sokhna jusqu'à El Alamein El Gedid et de là à Matrouh, ainsi que de la ville de 6 octobre jusqu'à Aswan et Hurghada, Louxor, d'une longueur totale d'environ 1795 km. Les efforts visant à développer le réseau ferroviaire national avec toutes ses composantes ont été présentés, y compris le développement de la flotte d'unités mobiles sur les chemins de fer, comprenant les nouveaux véhicules pour le transport de passagers et de marchandises en coopération entre les ministères de transport et l'Organisation arabe pour l'industrialisation. Outre les mesures déjà prises et les projets futurs de modernisation des systèmes administratifs et ceux de l'exploitation du réseau ferroviaire portant sur les projets d'infrastructure tels que le développement de la signalisation et de chemins de fer pour assurer les normes de sûreté et de sécurité. On a examiné aussi les efforts déployés pour renouveler et entretenir les réseaux ferroviaires, augmenter l'efficacité des ateliers et développer les gares à l'échelle nationale. Le président Abdel Fattah al-Sissi a reçu hier le PDG de la compagnie maritime française CMA-CGM, M. Rodolphe Sadé, et plusieurs responsables de la compagnie en présence du Premier ministre Dr Mostafa Madbouli et le ministre des Transports, le lieutenant-général Kamel Al-Wazir. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que la réunion a porté sur la coopération avec la société française pour l'exploitation et la gestion du terminal polyvalent du port d'Alexandrie. Le chef de l'État a indiqué que la coopération avec la société française représente une valeur ajoutée pour le développement de l'administration populaire d'Alexandrie
afin de renforcer l'activité du port au niveau régional et mondial en appliquant les normes internationales dans l'exploitation portuaire. Le président Al-Sisi a également déclaré que les mégaprojets nationaux actuellement mis en œuvre en Égypte est devenu une grande opportunité et un marché prometteur pour les grandes entreprises étrangères à investir dans divers domaines de développement. Le chef de la diplomatie, Samer Choukri, a déclaré hier que la politique étrangère égyptienne visait à réaliser l'équilibre et la diversité pour garantir les intérêts de toutes les parties. Monsieur Choukri a ajouté que cette politique rejetait les conspirations et l'ingérence dans les affaires des autres pays. Le ministre des Affaires étrangères a fait ces déclarations lors de son communiqué prononcé devant la séance générale du Conseil des députés. Il a indiqué que son ministère avait œuvré durant la dernière période en vue d'ancrer le rôle de l'État égyptien et d'entreprendre des relations équilibrées basées sur la coopération avec les pays du monde. Monsieur Choukri a souligné que le ministère des Affaires étrangères soutenait la diplomatie parlementaire qui était devenue un exemple dans le domaine du renforcement des relations entre les pays de la planète. Il a ajouté que la diplomatie assumait son rôle en protégeant les communautés égyptiennes à l'étranger. En ce qui concerne le barrage éthiopien de la Renaissance, il a réitéré que la diplomatie égyptienne accordait une grande importance à cette crise, ce dossier étant une question d'existence pour le peuple égyptien et en vue de préserver les droits du pays en eau du Nil. Le secrétaire général de la Ligue arabe, M. Ahmed Aboulrit, a aspiré à un rôle européen plus efficace dans le relancement du processus de paix palestino-israélien sur la base des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. M. Aboulrit a fait cette déclaration en recevant l'émissaire européenne pour le processus de paix, Suzanne Terstal. Le secrétaire général de la Ligue panarabe a échangé les vues avec l'émissaire européen concernant l'avenir du processus de paix, surtout après l'investiture de la nouvelle administration américaine. M. Aboulrit a salué les positions européennes préliminaires concernant le conflit palestino-israélien et la poursuite de la colonisation israélienne dans les territoires occupés en Cisjordanie et à Jérusalem-Est occupée qui entrave la solution à deux États. L'Égypte a ouvert hier un centre de formation pour les membres des forces de police participant aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies dans une mesure qui montre l'engagement de l'Égypte à soutenir les opérations de maintien de la paix des Nations Unies en général et la police des Nations Unies en particulier. Les détails dans ce commentaire. L'Égypte a ouvert hier un centre de formation pour les membres des forces de police participant aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies dans une mesure envisagée par le conseiller de la police des Nations Unies qui a participé à la cérémonie d'ouverture qui démontre l'engagement de l'Égypte à soutenir les opérations de maintien de la paix des Nations Unies en général et la police des Nations Unies en particulier. Le centre de formation des forces de police participant au maintien de la paix inauguré hier forme des policiers égyptiens et étrangers qui ont été nommés ou sont déjà en service dans des opérations de maintien de la paix de l'ONU dans le cadre des normes de formation de l'ONU.
Dans un discours qu'il a adressé à la célébration qui a coïncidé avec la célébration de la journée de la police en Égypte, M. Carrillo a salué le long héritage du rôle de l'Égypte et ses contributions aux opérations de maintien de la paix qui remontent à 1960 et qu'il est actuellement l'un des plus grands contributeurs à opérations de maintien de la paix de la police sous la bannière des Nations Unies. En marge de l'inauguration du nouveau centre, M. Carrillo a rencontré le ministre de l'Intérieur, le général de division Mahmoud Taoufik, où ils ont discuté des possibilités de fournir davantage de formation et de participation aux femmes policières, y compris des postes de direction. Le responsable onusien de maintien de la paix a indiqué que la police des Nations Unies avait mis au point une formation visant à améliorer la préparation des femmes policières à passer les tests qui les désigne pour servir dans les opérations de maintien de la paix. Car selon lui, la présence de plus de femmes signifie des opérations de maintien de la paix plus efficaces. L'Égypte fournit actuellement 6 unités de police constituées en mission de l'ONU qui représentent ensemble les 2/3 de toutes les forces de police de l'ONU déployées dans les opérations de maintien de la paix. Plus de 3000 Égyptiens servent sous la bannière des Nations Unies dans un certain nombre de missions à travers le monde, faisant de l'Égypte le 7e plus grand contributeur de personnel en uniforme aux opérations internationales de maintien de la paix et le premier pays arabe dans ce domaine. La première participation égyptienne en 1960 a eu lieu dans la mission de maintien de la paix au Congo et depuis lors, plus de 30 000 Égyptiens ont participé à des opérations de maintien de la paix dans 24 pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et d'Europe. Et l'Égypte a signalé mardi 643 nouveaux cas de coronavirus, portant le total des infections à 163 129 personnes. Dans un communiqué officiel, le ministère de la Santé a déclaré avoir signalé 55 nouveaux décès au cours des 24 dernières heures, portant le nombre de décès du virus depuis le début de la pandémie l'année dernière à 9067. Le communiqué indique que 432 patients ont été libérés après s'être rétablis du virus, ce qui porte le nombre total de récupérations à 127 433 personnes. Aussi, les efforts déployés par la Banque centrale d'Égypte, la BCE, pour renforcer l'inclusion financière et les paiements ont été passés en revue par le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouly, lors d'une réunion interministérielle. Le chef du gouvernement s'était réuni avec le gouverneur de la Banque centrale, Tariq Amer, ainsi que les ministres du Plan et du Développement administratif, Hala Al Saïd, de coopération internationale, Rania Al Mashot, et des finances, Mohamed Maït, en présence de responsables d'autres ministères concernés de la BCE. Emmer a abordé le rôle du secteur des paiements et des technologies de l'information au sujet des projets de transformation vers une société moins dépendante des billets de banque. Des projets, selon lui, font partie des projets d'infrastructure, des marchés financiers et des cadres législatifs régissant ces projets. Et pour savoir plus sur tous ces efforts déployés par la Banque centrale, nous avons en ligne Dr Passant Fahmi, économiste. Bonjour docteur. Bonjour madame. Alors, on voit que vraiment l'Égypte passe vers une véritable transformation digitale dans divers services et surtout maintenant le secteur bancaire. Bien sûr, le secteur bancaire, c'est le secteur le plus important à mon avis. Nous avons un plan de développer l'Égypte, un plan très optimiste. Et la majorité de ce plan-là, le financement, doit être égyptien. C'est-à-dire, nous devons capitaliser tous nos ressources pour financer les projets sans emploi. C'est-à-dire, nous n'avons pas besoin de s'endetter pour l'étranger dans ce genre de projet.
c'est-à-dire les projets d'infrastructure. On n'a pas besoin de l'étranger. Le projet de développer tous les gouvernements, tous les VIP, ça, ce sont des projets qui sont faits de financement en livre égyptien. Alors, pour être capable de faire ça, nous devons assurer que la majorité de devises égyptiennes sont passées par un banquier. Alors, quand on développe de façon très avancée, comment encourager les gens à mettre l'argent dans les banques et comment utiliser cet argent-là vers les cas, c'est-à-dire le système bancaire très avancé, non seulement ça se développe un climat plus assuré pour les investisseurs, mais aussi d'assurer des montants assez capables financer les projets trop optimistes quand on en parle. On est en train de construire une nouvelle Égypte, c'est-à-dire pour développer 27 projets, pour construire des villes, pour trouver sa province. Tout ce sont des projets en Égypte. Alors là, on a besoin des capitaux égyptiens. Mm-hmm. Et ça, ça ne sera pas essayé ça si vraiment on apporte sur le côté technologique en ce qui concerne le système bancaire. Et ça, ça a commencé il y a plusieurs années. Et je pense que ça avance d'une façon très fiable. Et on peut regarder le niveau de dépôt dans les banques pour savoir comment ce système-là est un succès. Parce qu'honnêtement, quand on a commencé le projet du canal, et il y a eu des milliards de Égyptiens qui sont venus hors du système bancaire, a choqué le monde entier. Pourquoi les Égyptiens l'argent dans les banques. Mmh. Alors, le système technologique va encourager ça. Je pense que les gens sont devenus plus conscients ces jours-ci que c'est très important, pas de bouger avec de l'argent à droite et à gauche, mais une petite carte à la main, ça résout tout le problème. Mmh. Bon, avec nos classes les plus vulnérables et un taux d'analphabétisme quand même qui est assez important. Comment vont fonctionner ces personnes-là ou cette tranche sociale-là avec ce nouveau système bancaire? Tout d'abord, ils doivent savoir comment ça fonctionne. C'est-à-dire, nous devons leur expliquer que ça a commencé avec le système, ce qu'on défend chaque mois pour les classes modestes. Je ne trouve pas le mot en français. Les cartes de crédit? Voilà. Oui. Donc, on avance chaque fois. Mm-hmm. Alors, petit à petit, ça avance. Mais on a un travail, nous, les députés, le gouvernement, tout le monde doit expliquer à ces gens l'intérêt à utiliser les cartes pour éviter autant que possible le mouvement de vivre. Et ça peut fonctionner ça concerne le COVID-19 aussi. Je vous dis que les devises, n'importe quelle devise au monde, ça c'est le moyen le plus dangereux à vraiment passer les maladies d'une main à l'autre. Mm-hmm. C'est contagieux à faire les devises. Merci. Alors, utiliser la carte, c'est facile. Mais ça demande un peu de travail, c'est beaucoup qu'avant, mais ça va avancer. Mm-hmm. On l'espère. Docteur Passant Farmi, on vous remercie beaucoup pour cette intervention. Et donc, on arrive à la fin de cette édition de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi. Agréable moment avec la suite de nos programmes.